La misère du peuple français, ses souffrances, le courage individuel de cette femme qui dit que ses enfants ont faim, de celle autre qui dit qu'elle lutte contre la dégradation de son habitat avec les punaises de lit, de cet ingénieur qui explique pourquoi on peut sortir du nucléaire, de ce biologiste qui nous explique qu'on pourrait enfin manger comme des êtres humains et non pas comme des êtres humains. Parce que les exagérés, les extrémistes, ce sont ceux qui enferment le pays dans la pauvreté, qui décident tout seuls, sans rendre de compte à personne, et qui nous entraînent dans le mur de la catastrophe écologique. À cela, je dis, la France insoumise a pris ce week-end son envol. Nous sommes des dizaines de millions déployés partout dans le pays, et rien ne nous arrêtera. Non, rien ne nous arrêtera. Et certainement pas, je le dis solennellement, le verrouillage de l'oligarchie que constituent les nouvelles règles relatives aux 500 parrainages nécessaires.